L'espoir du changement suscité par Félix disparaît de jour en jour. La République démocratique du Congo traverse des moments difficiles. Nous terminons l'année par des notes impossibles. Des grèves à l'Est, il y a des choses, l'état des droits est menacé, les actions qui sont en train de passer chaque jour en République démocratique du Congo laissent à désirer et de plus en plus l'espoir s'envole. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je viens auprès de vous pour vous présenter un énième numéro où nous allons encore parler de cet espoir-là que Félix avait suscité lorsqu'il demandait la magistrature suprême. En 2018, quand il posait sa candidature, quand il y avait le peuple congolais avait mis de l'espoir, 2019, 2020, 2021, c'est comme si les choses sont en train de s'écrouler. On va donc parler de cet espoir qui ne cesse d'être envolé, quoi, qui se dissipe de tout. Tous les jours, le peuple congolais se retrouve comme un parent, orphelin de parents. Il n'y a personne, le pays est ballotté dans tous les sens. On comprend que le président de la République ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Les gens qui supportent le président de la République, néanmoins, ils doutent maintenant. Les doutes s'implémentent même dans le camp du président de la République. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui, dans ce numéro. Merci encore une fois de plus de tous les gens qui ne cessent de m'appeler et me poser la question où est-ce que je suis passé, tout ça. Je vais encore vous dire pour une énième fois que nous sommes en train de préparer un autre truc qui devrait être lancé au début du mois de mars de l'année prochaine. Et ça demande maintenant une préparation et vraiment mettre toute la batterie en marche pour que nous ne puissions pas rater ce décollage de ce nouveau programme qui nous pensons que ça réélèvera le Contact Pro Live, toujours dans les présentations, mais cette fois-là, nous aurons beaucoup de choses que nous aurons à présenter, il y aura beaucoup de facettes et cela donc demande à ce que nous puissions nous impliquer et nous puissions y donner beaucoup de temps. Donc si vous ne me voyez pas vraiment, en tout cas excusez-moi parce que le temps fait défaut à cause de ce projet là que nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet qui est l'espoir qui est en train de s'envoler. Félix déçoit. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Maïndombe. La population appelée à protéger le pangolin. Et puis Félix Tshisekedi au gouverneur, conférence de gouverneurs à Kinshasa. Félix Tshisekedi exhorte le respect de caractère uni de la RDC. On va sur actualité.cd. Rutshuru, les FARDC ont repoussé une attaque de rebelles M23 à Burkina. Et puis RDC crash de l'avion de Malou Aviation, aucun survivant. Crash d'un aéronef dans l'est de la RDC. On va sur Congo profond. RDC, Lelo Yabiso Asbel se veut une réponse aux besoins quotidiens de jeunes entrepreneurs congolais. Cyril Mutombo, Kibali Goldmine, le respect des lois par tous est la solution pour baisser la tension, arriver à vivre d'une manière apaisée. On va sur 7/7. Nord Kivu, vive tension à Butembo après l'assassinat d'un taximan. Et puis à Kabuya sur le retour de Kabila au pouvoir, sa place n'est plus à la tête du pays, mais plutôt à la CPI ou à Makala.
On termine par Radio Okapi. Fête de fin d'année à Lubero, la société civile invite les autorités à endiguer l'insécurité. Et puis un camion transportant des denrées alimentaires attaqué par des rebelles ADF. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est comme ça donc, dont nous commençons cette, notre émission d'aujourd'hui par les événements de Goma, 4 morts. À la base de cette soulèvement à Goma ou bien de cette ville morte de Goma, les troupes rwandaises sur le sol congolais, les troupes ougandaises aussi sont sur le sol congolais. On se pose la question, où est l'état de siège? Qu'est-ce qui se passe? L'état de siège, on se pose la question maintenant. Allons-nous encore vraiment prolonger cet état de siège sans même nous poser la question où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que nous savons ce que nous sommes en train de faire? C'est ça la question que le peuple congolais est en train de se poser sur à tous les niveaux. Bao baza na opposition, bao baza na katia majorité, la question est là. Bandeko tozo obtenir kimiate. Tous les projets que le président a commencé, donc Babylon Konyoso, ezo banda, ezo soukate. Ezo banda, ezo soukate. Est-ce que biso ba Congolais vraiment tozala, to yebi, elo konini yango pona ko dirige mboka? So ki totali ba question nyoso tout oyo, ba projet mal géré, l'élite contre la corruption, l'état de droit, balkanisation et paille. Situation sociale explosif, mais finalement tozomi tuna discours ni nango le sous président koye la biso pona ko le kwantame 2022 déjà ye moko na discours ya 2021 oyo ya suka ya yane. Donc c'était chaotique en tout cas ezala ki nous avons fait des analyses et puis vous-même vous aviez vu que espoir est athée. Nous avons un président qui ne sait pas là où il est en train de mener le pays. Tout ça à cause de biloko ngana bandeko ebisabino awana lobi Félix azala qui déjà recruté na kati ya batu oyo bazako diriger mboka na biso. Ne vous en faites pas, il y a un groupe de gens batu mususu oyo bazo diriger mboka na biso bazali. Batu oyo bazako tiela biso wana eza batu moka ka boye parce que Bandeko, on ne peut pas comprendre que ba médiocre nde mutu bazako ko diriger mboka na biso. Alors, ici, je voudrais revenir na eloko moko. Je suis en train de suivre ba Djalelo Msusu, ba journaliste vraiment solo. Bazako supporter président de la République. Moi, je dis souvent ceci. Ngai naza makambo ya kolobela Félix, to bien makambo ya koloba nani te. On ne supporte pas un homme. Tant que tu as dit que le gouvernement est médiocre, et que le président, c'est celui qui est en train de dire que le gouvernement n'est pas médiocre. Parce que le bouc émissaire est là. Si on cherche les causes, justification, comme il dit, le gouvernement est là, il est là. Donc, la faute est au gouvernement. Faute est à la toujours na batumsus. Alors, cette information est relayée par les Djalelo qui commencent à expliquer. Au commun, ils ont les canaba plateau à télévision. Ils cherchent de justifier, va supporter le président de la République. Nous posons la question. Qu'on supporte le président de la République, et ça qu'on supporte l'Union, surtout à Zoloba, et puis qu'on contredit rien. Nous voyons des bavures policières au Ezako Salema. Babilo Kwangonyos, Ezako Pesa Kanda, tozo fungola ka télévision, soko fungoli télévision na tongo boye, ou bien fungoli ba téléphone, non, les nouvelles ne sont pas bonnes, Ezako Pesa biso bato toza libanda, et Pesa kabiso bandeko, na pasi na motema, tozo mitu na mboka na biso zo kende wapi. Bien sûr, na lobana no eloko moko sur situation économique. Tout le monde batunyon surtout na monde entier ba makambu ezako beba nous ici en Afrique du Sud carburant lelo o to komi
est comme impossible. Donc, avec 100 rennes, tu as à peu près 5 litres. L'élo. Or, il y a à peu près tout le bas une année, avec 100 rennes, tu pouvais avoir à peu près 10 litres. Donc, est doublé, carburant est doublé. C'est pas différent dans ma kamboza ko le kanambo kanabiso. Mais où est le problème chez nous? Le problème chez nous, c'est que nous avons des dirigeants qui ne savent pas, effectivement, mbokeza ko kende wapi. Toza na projet nini po na mboka nabiso. Qu'est-ce que nous voulons à ce que na 2022 toko ma wapi? Quels sont les moyens que nous mettons en place pour que eloko idée o toza na ngo toko komisango na 2023 toko koma na ngo kuna ndenge nini? On parle de médiocres, on parle de gens qui ne sont pas à leur place na katia gouvernement, mais on ne change pas. Et alors, okoyoka bajale lo bazako lo bano, batwaza ko supporter présidente, batwaza ko supporter présidente. Quand le président choisit ses hommes et que ces hommes commencent à faire est-ce que batwana bazako na bazako supporter président, ce sont ses ennemis ou comment? A-t-il encore des ennemis, le président de la République, qui bloque ses actions? Est-ce que Félix Azana nous a battu au bazar pour bloquer ma action naé? Bandeko, moi je crois que nous avons un problème. Problème nabiso ba Congolais zanini. Tozo ye batte solution mboka nabiso. Nous ne connaissons pas la solution. C'est pour cela que nous sommes en train de nous baloter. Et même les gens qui prétendent que non bazar ko lingaba kota na magistrature suprême, en les entendre, c'est tout à fait la même chose que Félix. Nous risquons encore une fois de plus en 2023 tout ça alternance mususu, mais nous allons retomber dans la même situation parce que bato bakoya wana bakoloba que non Félix a bébisa kimboka. Ils vont dire que non Félix a détruit le pays, Félix était ceci, Félix et kozalaka kasikle moko ezokende kaka ndengo wana. Nyoso ne uti wapi e uti place que parce que le président actuel, Bandeko, ne nous voilons pas la face. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Tokoki ko lo bayango, to lo bayango aye bien lo kwazo salate. Il est lui-même médiocre. Comment est-ce qu'il peut, il peut mettre les gens qui sont plus que lui? Bakolia est calme, Bakolia ne bat point. Il est lui-même médiocre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est téméraire, ou aïe bien l'eau quoi zo sala. À cause à la même mituquilé. Yako loba ke non. Bandeko. Na bandi awa na zo kende awa. Na komi awa. Tangu na kosili sa point oyo. Na okota na point mususu. Tangu na kosili sa point oyo. Na okota na point wana mususu. Soki na sili si point oyo. Na okota wana. Et pour que na sala eloko nanga plan oyo. Voilà. Magistrature faut na sala. Structure nan. Mes chers amis. On ne change pas les choses. Na système o toza na ngo kaka parce que batu baza koyeba change bazo remarquer change même si ato gangi lobi te batu ba kokanga ma tout ça, vous n'allez pas arrêter tout le pays o ko arrêter batu nyoso to na mboka te, tu ne vas pas le faire, c'est impossible. Est-ce possible te? C'est comme ça que nous disons que likambo akosala na mboka oyo eza ko remettre les choses Nandenge à Malamu. Alors, qu'est-ce que nous prenons nous ici à Contact Pro Live? Na Contact Pro Live a tozalaka na solution moko bandeko chaque jour. Ti likambo oyo koyoka maka. Le peuple qui sont en train d'adhérer dans cette solution que nous proposons ici, bazako comprendre yango que non, c'est la seule voie. Fédéralisme ou décentralisation, nous devons y entrer. Il faut que nous préparions ça aussi. Préparons-nous à remettre le pouvoir acquis des droits. La légitimité doit être ressentie. C'est là le changement que nous... Les changements ont au peuple à Zakozela. Les jours où le peuple congolais à la base saura contrôler ba frais, ba mbongo za kokota, ba gestionnaire ya ba mbongo na ye. Et c'est là le changement que le peuple est en train de chercher.
C'est ça le principe de base qui est, que le peuple congolais à la base est en train de rechercher. Exactement, Luka, l'homme le plus intelligent ou quoi que ce soit, l'homme le plus intelligent ne pourra pas aller faire le bêche à Bongisa Balabala. Likamboya ko déifier batu, il faut si là. Et que si la ndenge nini soki biso nyos tout oza consciente. Et c'est là où nous disons, je dis souvent, Moutou Oyo Aza présentement à la tête de notre pays, c'est l'homme le plus. Oyo, il faut yé mokwa yé bake non. Nga moko nako dirige mboka Oyo te. Mboka Oyo ezana mbongo. Mais mbongo ango, pour que Eza et monana, ce n'est pas moi qui va faire tout. Baza kobanga président de la République. Eza batu nyonso msou moutouaza moussika na ya kobanga ete. Le pays doit se reconstruire. Nous devons reconstruire ce pays à partir du à partir de la base. C'est-à-dire que moutou nyonso place azali, azala na douane, azala wapi, azala policier. Aye bakeno alati sokoto, alati République démocratique du Congo. Et puis République démocratique du Congo, batu baza kota la ye. Qu'est-ce que nous faisons dans la pour que tous allent à la police, tous allent à la police à Malonga? Et là, quand un président qui consa l'angoye mon côté, c'est pour cela que nous disons le fédéralisme ou la décentralisation à outrance. Ezali ba système, oh, il faut tout changer ango. Toko koma kuna ndenge nini? C'est là la question. La question est de savoir comment allons-nous faire. Bandeko, nous avions dit ceci. Toko sala yango ndenge nini. Le chemin est simple. Et quand nous disons simple, c'est-à-dire que le président de la République alati ayebi que non, à la fin de mon mandat, il faut natika constitution asika. Il faut natika batu bazonga batu normal. Les gens qui sont au Congo ne sont plus normal. Ba congolais baza normal les sous-souté. Pour na ko diriger mboka oyo batu bazali sous ma normal te. Il faut président de la République amitié na mutu ke non. Il faut natika mboka oyo na batu bazala na kiti ba yebi mboka na bango place bazoko tindika yango. Et que ça, c'est en se dérobant, en se disant, système autosana kati, et aussi mbate bandeko, to bande la zéro, to banda ndengeni. Rentrons dans les états de liens des provinces et des territoires. Reconstituons une nouvelle classe politique. Reconstruisons notre pays à partir de la base. Prenons conscience que, à partir de la base, nous pouvons contrôler nos territoires, nous pouvons contrôler nos matières premières, nous pouvons chaque peuple, chaque tribu, na place au Bazali, bako kiko contrôler ba territoire na bango bandeko. Na moment au Tozali, ezali sous to comme ils sont na moment que on unitarisme moko oyo batu nyonso bazala tsanga tsanga eko simba kate tribu ekola takabiso ti ndenge parce que nous avons vécu ça pendant 50 ans le londe eko simba te ke notozala na to sito komi na musika oyo ya kozala
oto tsanga tsanga ezali yo batu nyoso tu ba équatorien ba kende na bunashaba bana eza ekosimba lisusu te parce que nous avons cette expérience qui n'a pas marché pendant je crois plus de 20 ans ya Kabila. Mobutu a laissé cette histoire là mais ça n'a pas simba qui à un certain moment mais comment qui n'a apogé nango pourquoi parce que il y a eu des défauts ba babiloko o ya ki ko détruire nango ezala ki ebelé. C'est ça le problème que nous avons. Et donc, nous devons favoriser Valère à Batouba, Valère à Batou, tout ce qui est en exergue. Et que ces gens-là puissent se retourner au pouvoir dans le monde de Kolobakeno. Dans la place de Zali, nous devons contrôler nos territoires, nous devons avoir la sécurité, nous devons savoir comment est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous apportons à la République. Et tout ça devra être parlé dans l'état de lié à votre territoire. Et tous les territoires vont se bakoya kotia babiloko na bango na kati ya ba province et que na province ndeto koya na sikoyo nanani na niveau national et à ce moment-là nous récrirons une nouvelle constitution ya ngana biso tozo koloba ce que le président Félix devrait faire aujourd'hui est de mettre et de dire aux gens que ndenge otoza ko kendeza malamu te bandeko constitution au moins to salango to kende nango et bon gisamboka na biso ezo simbate. Alors revenons à notre na kati ya ba région na biso oyo na ba territoire na biso na kati kuna nde bokoyeba nani akosala nini to tcha ba mécanisme ya contrôle na ba mécanisme ya ba planification ya développement de chaque territoire ba tukuna ba yokana ba consensus ebanda koyeba na deja na ba territoire pour que ba tubaza la conscience que non mboka oyo eza ya mutute. Réécrivons une nouvelle constitution qui ne donnera pas le pouvoir à un seul homme encore pour que Moutouana, Azala aliéné, Azala corrompu, a corrompre Batounios. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a souffrir, c'est parce que le pouvoir est à Kinshasa. Tout se fait à Kinshasa. Kaka na Moutoumoko, Okoyoka, Kaka, que non, le président de la République, a kosale la biso boy. Oh, biso na région, oh, tout ça s'est développé, parce que boy. Tout ça à cause d'un seul homme. À cause du pouvoir que nous avons donné à un seul homme. Bandeko, moi je vous propose cette solution oyo yako kende na ba état de lié ba conférence à ba territoire où les enfants de chaque contrée se mettront d'accord ba koloba que non. Bandeko, état de lié amboka na biso awa, il faut tout ça la ndenge nini. Qu'est-ce qu'il faut? Pour habitumbe si la na Nord Kivu awa na territoire ya Beni banani yango bazalaka na Beni boya to sala to va na nanu ensemble ba recensement ba identification que cela ne se fasse qu'avec les gens de ces contrées là babiloko na batu babanda ko sala nanu babiloko na a partir ya bango moko baloba administration na biso ko zala ndenge ni et la feuille de route c'est ça le président de la République Luka batu ya mayele, batia ba feuille de route wana oye kozala kalke na ba territoire nyoso pour que batu bakende kozala na possibilité ya koloba bon oke feuille de route ya ko banda ba conférence wana yango to kosala awa. Contact Pro Live awa tozana ba discussion wana. Tozana ba feuille de route wana, ce n'est pas que nous sommes en train de chercher du travail, mais nous réfléchissons comment est-ce que notre pays pourra se sortir na gouffre oyo. Et nous sommes contents que petit à petit, Bato Bazana Kinshasa Bazako contacte Bisso, il nous demande, il nous pose la question. Et c'est là où nous disons, place où l'un des Togoïko supporte le président de la République, parce que c'est lui qui a la clé du changement de notre pays. Mais Bota Labino Mokondenge ba espoir, nous sommes Zako Kende. Changement, pourquoi? Parce que, comme je disais, il n'a pas une vision. Vision, il a yébité l'oko nini, et Goïko changer Mboka Nabiso pour. Batuba banda ko finalement tokota na mboka oyo discipline ezali batubaza ko kende batubaza ko yokana au Congo mutu na mutu aza pour le tout le monde à chacun pour soi Dieu pour tous mboka oyo mutu na mutu azolo ba ah mboka ko salela nga nini mboka salela biso nini mboka oyo salela biso nini qu'est-ce que nous avons fait de notre pays. C'est ça même le but de cette émission ici. Biso toza ko réveiller conscience à batwa koloba bandeko
mboka oza mboka Tshisekedi te, mboka oza mboka ya Baluba te, mboka oza mboka ya ba Kongo te, mboka oza mboka ya ba tous les 140 ya 450 tribu. O bazana ba mabele na bango, ba mabele na bango wana ba tribu wana jeraka sou ba mabele na bango te. C'est ça le problème que nous avons. Et nous devons rentrer à la source pour que tout soit solution. Ceux qui t'osa ko éviter source wana to ko zwaka jamais solution en boka na biso. Je veux pratiquement m'arrêter encore ici une fois de plus boye bino moko ke contact pro life to kendaka musika te mais nous nous arrêtons ici en espérant que vous êtes en train de vous abonner. Partagez bande ko émission oyo. Ba to ebele baza ko yoka ba message oyo. Baza ko féliciter ngaba so ki ta, na bande ko tala na bis na ko sala ndeni pour que na tie la kabino na témoigner bino que non il y a des gens qui comprennent qui nous suivent. Nous voyons ba abonné na biso baza ko augmenter belé ba komi to komi moins belé maintenant nous to komi penza na place au biso to zolinga to commenter ba to belé ba kabata la kabiso ba sili saka ba émission té. Si tu ne vas pas aller jusqu'à la fin, partagez quand même cette émission et qu'on change à ta moutou. Notre but, c'est que à ta batoumi balé soki ba yoki et ke bandimi, nous aurons fait notre travail. Nous ne sommes pas venus ici pour critiquer les gens ou quoi que ce soit, non. Nous réfléchissons sur un système qui peut vraiment elongo la biso na kati ya bombo toza na kati. Alors, je vais m'arrêter ici en disant merci beaucoup encore à tous ceux qui sont en train de m'écrire. Merci à nos nouveaux abonnés au Baye Ebele Nakatia ya Lingomba Nabiso. On se revoit en tout cas très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.